Coucou tout le monde! Alors, vous allez bien? Ben, écoutez, aujourd'hui, on va apprendre quelque chose. Cette machine ne sert pas uniquement à débuler la résine. Vous me suivez? Allez, c'est parti! Le saviez-vous? Lorsque l'on fait du silicone pour nos moules, c'est comme la résine. Il y a toujours des bulles dedans. Alors, le A et le B, une fois qu'ils sont mélangés, évidemment, on crée de l'air, de l'oxygène. Les bulles arrivent, on ne les voit pas trop parce que ce n'est pas aussi liquide que la résine, mais c'est surtout pas transparent comme la résine. Les bulles sont là. Alors, eh bien écoutez, dans cette machine, c'est parfait. Les bulles disparaissent, on a un silicone pile poil comme il faut. Alors là, vous le voyez. Vous voyez toutes ces bulles parce que je viens de vous mettre en gros plan. Donc il y a une quantité de bulles qui remontent, on le voit bien. C'est impressionnant. En fait, on ne s'en rend pas compte hein, sur le silicone. Hein. C'est impressionnant le nombre de bulles. On ne va pas aller jusqu'aux 5 minutes parce que ça monte, ça monte, ça monte. Mais quand c'est comme ça, on a possibilité d'ouvrir le petit loquet derrière, de refaire tomber la pression. Vous voyez, c'est redescendu. Et on referme à nouveau pour pouvoir continuer le cycle pour enlever les bulles. Et ça remonte de nouveau. Et ça, c'est sensationnel. On va pouvoir avoir des moules hyper, hyper, hyper lisses. Et voilà, finalement, la airless est aussi très, très utile pour celles qui font des moules silicone. Comme vous pouvez le voir, il est parfait, aucun défaut, aucune bulle apparente. C'est vraiment topissime. Franchement, je vous recommande de mettre votre silicone dans cette machine. Parce que vraiment, surtout si vous vendez vos moules, voilà. C'est parfait. Alors du coup, je me suis vraiment régalée parce que j'en ai profité pour refaire du silicone et puis couler. J'ai ma fenêtre qui est ouverte, ça s'envole. J'en ai profité pour refaire du silicone et couler, créer d'autres moules. Donc vous avez pu voir celui-ci qui est magnifique. J'ai aussi fait, donc ça c'est hyper important, c'est pour dire que cette machine elle est indispensable, enfin du moins pour moi maintenant, puisque j'ai pu créer un inlay vraiment sans défaut, rien du tout, il est nickel, il est super beau, il n'y a pas une bulle parce qu'une bulle dans un petit tapis aussi fin que ça, c'est carrément invendable en fait, hein, parce qu'on veut un motif et on ne veut pas des trous dans notre réalisation, dans notre décor de résine, selon évidemment le modèle que l'on propose. Donc là, c'est vraiment nickel, c'est parfait, franchement, je suis très très contente. Et là où c'est important, là où c'est vraiment très très important, c'est quand on fait du silicone transparent pour la résine UV. Alors le fait que ce soit sans bulles, ça devient vraiment très très transparent, et c'est vraiment superbe. C'est vraiment, vraiment, alors là, la UV, elle passe sans aucun problème. C'est génial. J'en ai fait plein. Je me suis amusée. Bon, évidemment, je les mets dans des petits sachets parce que ben, je ne veux pas que ça prenne la poussière. Donc, j'en ai refait plein pour mettre dans la boutique. Et on peut voir vraiment, on peut voir la transparence, c'est formidable parce que les bulles ont tendance justement à foncer un petit peu, à opacifier comme sur les bords. Hein, bon, les bords là, ce ne sont pas des bulles, c'est juste l'épaisseur du silicone, mais ça a tendance à opacifier et c'est pour ça qu'on a beaucoup de moules blancs comme ça qui sont pas réellement transparents. C'est parce qu'il y a les bulles, seulement les bulles, on ne les voit pas dans le silicone, on ne les voit pas, mais on le sait qu'elles sont plus là quand on a une aussi belle transparence. Donc là, j'ai pu créer à nouveau un joli nœud papillon. Il est superbe. Donc, d'autres cœurs avec motif en relief. Ça, c'est super. Bon, j'ai 4 cœurs différents. Hop, vous voyez. Là, c'est toute la beauté du moule. Voilà, c'est quand on voit en transparent et que quand une fois qu'on a catalysé dessus, on peut le retourner, catalyser dessous sans problème. Les UV, ils passent. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis là, mes jolies fleurs que j'aime tant. Alors voilà, je suis hyper contente. Je vais remettre de suite tous mes moules, bien entendu, sous plastique pour pouvoir les avoir nickel et qu'ils soient neufs à la livraison et pas poussiéreux. Et puis voilà,
Ben écoutez, j'ai trouvé cette astuce. Je me suis dit, mais pourquoi pas, puisqu'il y a des bulles dans le silicone quand on mélange, dans la résine, pourquoi y en aurait-il pas dans le silicone? À mon avis, ça doit faire pareil. Et ben, Eureka, finalement, c'est exactement la même chose et la machine fonctionne à la perfection. Alors, n'oubliez pas que sous la vidéo, je vais vous mettre, comme d'habitude, à tous les liens, et je vais vous mettre le matériel de la vidéo. Vous l'aurez en titre, donc vous le verrez dans la barre d'infos sous la vidéo, et vous aurez les liens boutique, vous aurez le lien pour la machine résineur, et puis dessus vous aurez 10%. N'oubliez pas, les filles qui êtes au club des petites paillettes et paillettes résineuses, quand vous passez commande, n'oubliez pas, vous avez 15% de réduction sur la totalité de mes deux boutiques et sans un minimum d'achat. Ne l'oubliez pas. Si vous ne vous souvenez plus du code, ben vous venez me voir en privé et je vous le redonne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et pour ça, je vous love. Des bisous à toutes et à tous et à très vite. Bye, ciao, ciao. Thank you.